Bonsoir et bienvenue une fois de plus à ce webinaire de duplication où nous apprendrons au fur et à mesure, étape par étape, comment est-ce que nous pouvons construire notre propre entreprise autour du processus de duplication. Car le futur commence maintenant. Aujourd'hui, nous verrons comment fixer des objectifs. Nous verrons ce qui est et doit être la première tâche du parent et comment se comporter pour pouvoir atteindre ces objectifs que nous nous fixons là. Tout d'abord, nous devons nous fixer des objectifs et les écrire sur un bout de papier, les placer à un endroit visible qui nous permettra de nous rappeler à chaque fois que nous avons des objectifs à atteindre. Ces objectifs que nous nous fixons ne doivent pas être de simples objectifs. Ils doivent suivre une certaine logique. Ils doivent être smart. C'est-à-dire, comme S, ils doivent être spécifiques, concrets et répondre aux questions qui, quoi, où, quand, que faire, pourquoi et avec qui pour pouvoir atteindre cet objectif-là. M, ces objectifs doivent être mesurables. Et un des paramètres mesurables qu'ils soient évalués. A. Ces objectifs doivent être réalisés, réalisables. Fixez-vous des objectifs réalistes et réalisables pour vous et non des objectifs abstraits qui sont difficiles à atteindre. Les objectifs réalisables vous motivent à réussir. R. Ces objectifs doivent être réalistes, nécessaires et cohérents avec notre mission. T. Ces objectifs doivent être limités dans le temps. Définissez le temps nécessaire pour atteindre ces objectifs-là. Fixer des objectifs personnels est bien, parce que planifier vos vies selon votre vision, c'est une bonne chose. Il faut prendre le temps d'y réfléchir, de réfléchir à ce que nous attendons de la vie et considérer ce que nous voulons réaliser. Nous planifions également les étapes que nous voulons suivre pour atteindre nos différents objectifs. Comme fixer des objectifs, déjà, c'est un processus puissant. C'est une réflexion qui nous permet de penser à notre avenir. Des objectifs que nous nous fixons nous servent à nous motiver, transformer notre vision en réalité. Fixer des objectifs personnels, c'est une bonne chose. La première chose que nous créons en le faisant, c'est une image lumineuse de ce que nous voulons faire de notre vie les 10 prochaines années. La prochaine étape consiste à diviser en objectifs plus petits ces différents objectifs-là. Nous verrons de quoi il est question. Essayons de nous fixer des objectifs dans les catégories suivantes. En termes de carrière, quel est le niveau que nous voulons atteindre dans notre carrière? Finance, combien voulons-nous gagner? En termes d'éducation, y a-t-il une éducation spécifique que nous voulons atteindre? Famille, voulons-nous devenir parents? Si oui, comment voulons-nous le faire? Si nous voulons atteindre des objectifs artistiques spécifiques, il faudrait se fixer des objectifs dans ces domaines-là. La deuxième catégorie, c'est la position. Y a-t-il un blocage dans notre esprit qui nous empêche d'atteindre ces objectifs que nous voulons et que nous devons supprimer?